À l'approche du 10 décembre, date de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, le Centre d'action pour le développement en sigle CAD a présenté à la presse ce 8 décembre 2023 un rapport de 134 pages dans lequel il dévoile 2098 violations enregistrées cette année. Selon Trésor Ndjila, directeur exécutif de cette ONG qui lutte pour les droits de l'homme au Congo, le déni des droits humains est au pouvoir. Dans ce rapport, le CAD constate une évolution d'atteinte aux droits de l'homme comparativement à l'année passée. L'âge des victimes varie entre 15 et 63 ans. Dans ce rapport, le CAD épingle des cas de torture, des exécutions extrajudiciaires, de la situation dramatique dans les cachots de la police et de la gendarmerie, les usages routiniers de la torture et mauvais traitements, de la discrimination persistante des peuples autochtones, des expulsions forcées, des libertés entravées, des droits des travailleurs confisqués, des magistrats complices et incapables de dresser les dossiers et de les faire aboutir, sans oublier des entraves à la liberté de presse et d'expression. Trésor Ndjila a fait constater qu'aucun signe n'indique l'amélioration de la situation dans ce pays. La gravité de la situation ne peut être évaluée uniquement en considération de ce rapport que nous avons donné. La police, la gendarmerie, appellent à des réformes profondes. Semer la terreur, une culture qui devient montée dans les mers des policiers et des gardes chargés des interpellations. Les magistrats ne contrôlent presque rien, qui ont fait de la garde à vue un fond de menace. Dans plusieurs commissariats où nous avons fait des interventions, on nous a parlé du café, le café du commissaire, le café du CVD. Et dans ces commissariats, dans ces cachots de police et de gendarmerie, les gens sont détenus à moitié nus. Quelle humiliation. La raison qu'ils évoquent, c'est le risque de pendaison. Arrestation arbitraire, perte à vue abusive, insulte, agression physique et verbale, torture, mauvaise condition, extorsion sont des réalités qui existent aujourd'hui. La police et la gendarmerie. Le rapport que je présente ce matin au nom de mon équipe est le résultat d'un travail effectué pendant 11 mois, de janvier à novembre.